Hey up tout le monde, c'est Shorty et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur FTP avec mon casque qui graisse. Ça c'est normal, ça ne change pas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Bah déjà, j'ai commencé par le truc, parce que ça a été dit dans beaucoup de commentaires et ça m'a un peu fait chier. Surtout que je l'avais dit dans d'autres épisodes. C'est-à-dire, on m'a demandé beaucoup de fois pourquoi est-ce que je ne reliais pas les électrolytiques séparateurs qui sont là derrière directement là-dessus. Alors, pour répéter ce que j'ai dit en live, c'est très simple. Ici, il y a 3, 4, 8, 12. Il y a 12 électrolytiques séparateurs. Il faut 20 RF particules pour les alimenter. Je vous laisse faire un rapide calcul. Ici, ceci produit 120 RF, 160 RF par tick. Ce qui veut dire que il faudrait 240 RF par tick, donc 8,7W4, donc ouais, 240 RF par tick pour pouvoir alimenter. Donc, juste ça. Ce qui veut dire qu'il me faudrait une machine, enfin, un hydrogène générateur et demi pour alimenter une seule colonne. Le truc c'est que je trouve pas ça rentable en fait d'utiliser une machine et demie pour fournir l'énergie à ça. Donc du coup ce que je fais c'est je vais utiliser les solar panels. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai changé un petit peu tout ça. Voilà, en fly. Donc voilà, hop, et on est bon ici. Voilà, donc c'est la nuit, on remet la night vision. Ça, on est tranquille. Donc ici, j'ai terraformé vite fait, c'est pas encore terminé par là au bout, enfin je verrai ça plus tard. Il n'y a plus les solar panels, et en fait, il y aura les solar panels ici qui seront reliés seulement, je dis bien seulement, à l'alimentation de ma base. Donc avant, on passait par là, mais maintenant, il n'y a plus besoin, on peut passer par ici. Allez hop, retransforme-toi. Voilà, donc ça sera relié seulement ici. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, ça sera seulement relié ici. Ça, c'est mes stockages internes. D'ailleurs, faites pas attention, je sais que c'est dans le mauvais sens, que les sorties sont là, alors que l'entrée d'énergie sera ici en dessous, et puis ça montera petit à petit. Enfin, soit, vous verrez bien plus tard. Donc, ça sera que ce qui alimentera ma base. Enfin, ce qui alimentera la base. Ce qui alimentera, ce qui permet de mettra de créer de l'énergie à tous les Patrick. Voilà. Donc, je vais reprendre une partie de ça. Je vais utiliser cela comme buffer pour l'énergie qui alimentera les électrolytiques séparateurs. Donc, ce qui veut dire que j'aurai trop d'énergie avec les solar panels. Mais je préfère être sûr d'en avoir de trop que de risquer d'avoir une pénurie à un moment. Et puis, comme j'ai toujours dit, je préfère me compliquer la tâche parce que sinon, ça serait trop facile en fait de relier ça et puis hop, énergie est finie, oh là là, trop bien. Alors que là, ça, il va y en avoir 4 fois la tour là. Je sais pas s'il faudrait que je le recule ou pas, il faudrait que je regarde. D'ailleurs, il y a un poulpe là derrière le mur. Donc imaginez, il y a ça et il y a ça. Donc ça voudrait dire que dans toutes les machines là, on en aura 4. On aura 8 machines au total qui ne serviront pas strictement à rien. Si je fais du bouclage d'énergie pour revenir chaque fois là. Donc voilà, comme ça c'est dit. Maintenant vous savez, j'aime bien me compliquer la tâche. Et puis j'ai pas envie de rusher trop de trucs non plus. Autre petite chose aussi qui m'a fait rebondir dans les commentaires, c'est le fait qu'on me dit ouais, Shorty, je crois que ça allait être dur alors que là tu fais un truc qui est simple. Oui, d'accord, c'est un moyen simple entre guillemets de produire de l'énergie. Le truc c'est que ça ne sera que pour produire des RF. Je dis bien des RF. Ce qui fonctionnera avec les U, ça sera les fusions réacteurs qu'il y aura ici. Donc il y aura de quoi faire du deutérium là et du tritium ici. Les réserves seront là au bout. Comme j'ai dit, donc ça ce n'est que le côté production de RF. Au final c'est quand même le plus facile, même sur Feed the Beast saison 2, les MJ c'était le plus facile à créer. Tu mettais des dynamos qui s'appelaient pas des dynamos, qui s'appelaient des
des magma engine, des trucs comme ça, tu les alimentes avec ça ou du coal, avec une ferme à arbres qui consommait que dalle, à la pouf, énergie infinie, MJ infinie, voilà quoi, ça s'est torché. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça avec de l'hydrogène cette fois-ci, pour changer un petit peu. Et puis, perso, je trouve ça plus sympa comme ça. Donc voilà, si vous trouvez que c'est pété, au final, je m'en fous. Comme ça, c'est dit. Donc ici, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va faire ce que j'avais prévu la fois passée, c'est-à-dire qu'on va se créer un jetpack. Pourquoi un jetpack? Parce qu'il faut un jetpack tout simplement. Et puis c'est assez marrant. Alors, jetpack. La question c'est lequel on va créer, celui de mécanisme ou celui de Bedrock Jetpack? Blast Protection Level 4. Ok. On a celui d'Industrial Craft, Advanced Electric Jetpack, Armored. Fonctionne avec de l'hydrogène. Ça peut être marrant celui-là qui fonctionne avec de l'hydrogène. No gaz. No gaz. Store d'hydrogène. C'est quoi la différence entre un et l'autre? Y a le bloc de style de mécanisme, du bronze, du diamant et le jetpack. Ok, donc du coup on va créer ça. Pour ça, il nous faut du style, des contrôles circuits, du tin et des gaz trucs. Donc du coup là-dedans j'ai déjà pas mal de choses. Il nous manque juste contrôle circuit. Alors on va faire ça parce que c'est plus rapide à crafter. Bien que j'ai les autocrafts ici pour faire les circuits, enfin pour faire les câbles de copper, j'ai le copper en masse, la preuve. Je commence à être blindé de Lego. Voilà, pour vous donner une idée, 54K de copper, 72K de tin, 36 000 de steel parce que j'ai oublié de couper la machine qui transformait le steel en. Enfin, l'iron en steel. 18K de lead. Le silver, c'est le seul truc que j'ai pas beaucoup. J'en ai que 5 000. Enfin, 5 000 et quelques. L'iron, bah, il m'en reste 18 000, etc. etc. La redstone, bah, ça continue à monter petit à petit, 18 000. Donc, voilà. Alors, on va refaire ça. On va faire ça. Hop, ici. Voilà. Alors, pas de gaz. Story. Ok. Je suppose, je dis bien, je suppose que on peut aller recharger ça là-dedans. Je n'en suis pas certain, mais je pense que on doit pouvoir recharger ça directement là-dedans. Ah. Voilà. Du coup, est-ce que je peux? Ok, je peux stocker, je peux recharger ça avec ça. Ok, c'est cool, je pourrais peut-être vendre des jetpacks aux autres Patrick, ça pourrait être marrant. Alors, on a ça, et du coup, ce que je vais faire, c'est je vais simplement un câble, un petit câble. Je vais simplement aller remettre le câble là. D'ailleurs, il va falloir que je me retransforme, parce que sinon, je vais perdre du temps pour vous. Voilà, je fais ça, je retourne ici et je fais ça. Voilà. Voilà, donc ça fait un bruit ignoble, ça fonctionne. Et ici, donc c'est en train de recharger normalement cela. Non, ça ne le recharge pas. Pourquoi ne recharges-tu pas mon. Allez, recharge-le-moi. Voilà. Comme ça recharge. Ça prend un peu de temps, soit, mais ça fonctionne. Par contre, je suis en train de voir que ici, l'énergie ne suit pas. Je pense que le truc doit être déchargé avec la musique de Minecraft qui fait du bruit. Pour rien au final. Oh non, t'es sérieux, pas la pluie. Une fois que je me décide de mettre le son, et c'est vrai, il y a la musique de Minecraft qui se déclenche, tout le reste avec. Super.
Alors, 200. Donc, j'avais dit combien? 240 RF par tick. Donc, ouais, forcément, avec ça, ça ne va pas trop aller. Comme d'hab, hein, j'oublie de calculer avant de mettre quelque chose. Voilà. Comme ça devrait aller. Ça devrait se charger correctement. Voilà, donc là, ça se charge. C'était juste le câble qui ne balançait pas assez de RF par tick. Et là, comme vous pouvez voir, ça se charge petit à petit. Alors, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est on va diminuer la musique. Déjà, premièrement, je vais me remettre en shorty normal parce que ça commence à faire un petit peu chier tout ça, les. Allez, comment dire? Les facilités, si tu peux dire ça comme ça. Bronze. Ok, bronze. Les facilités que donne la chauve-souris. Voilà, bronze. Donc on a les deux ici et j'aurais pu. Bah, je vais aller chercher en fait. Je vais aller le chercher. Faudrait que je pense à faire un beacon aussi. Ça pourrait être peut-être. Ça pourrait peut-être être sympa. Alors, on a le jetpack. Je vais le mettre pour voir. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a vu un creeper? Que s'est-il passé? J'ai pas trop compris là. J'ai entendu un creeper. Au début, je me demandais si c'était pas juste le. Comment dire? Pas juste le bruit du jeu en fait qui faisait ça. Fluide pipe et cover. Les covers, c'était lesquels? C'était les abyssales et ce en enfin du wool aussi. C'était ça et ça. Ok. Fluide pipe. Voilà. Ça devrait être bon. Un petit. Ok. Ok. Ça a l'air d'être bon. Alors, on remet ceci. On va remettre tout ça. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, hop. Pourquoi je fais ça, moi? À deux. Deux. Voilà. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Et celui-là, il est mis là. Voilà. Et je me suis trompé parce que c'était en Blackstone et non pas avec ça. Alors, Blackstone, Blackstone. Cover. En même temps, l'abyssal et la Blackstone, ça se ressemble un petit peu très fort. Blackwool. Non. Là, on va remettre ça. Black. Blackstone. Smooth Blackstone. Voilà, c'est celle-là. Alors, on va faire ça. On va le mettre ici. On va mettre celui-là, là. Voilà. Comme ça, c'est revenu. Le plating, c'est lequel? C'est le complexe avec Manisims. Voilà, bon. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'en ai aucune idée. Mais bon. Mode régular. Je pense qu'il doit y avoir différents modes. Je vais voir s'il y a des touches. Hop. On va enlever ceci. On va mettre ça là. Et ça ne veut pas. Pourquoi? Jetpack, mécanisme. Pourtant, ça devrait. Ou alors, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans. Sans. On va voir, on va essayer de le vider. Je veux voir jusqu'où je peux m'envoler avec ça.
Ça pourrait être marrant. Oh, si je peux sauter. Allez, super beau avec ça. Oui. Bon, déjà pour voler à la verticale, ça va relativement vite. Je pète des flammes, c'est cool. Mais ça n'a pas l'air de se vider si doucement en plus, c'est ça qui est bien. Sorti en mode astronaute, il me manque plus juste que le cafandre et c'est bon quoi. Oui. Ok, donc ça prend un certain temps à freiner la chute. Alors, je vais faire un truc. Voilà. On va rester là. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? T'as bien avoir un vol stationnaire avec ça, à mon avis. Alors, contrôle, mécanisme, Bah, il n'y a pas. What? Régular. IC2, 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 Gravi Suite. Gravi Fly Key. Mettre le 7, hein, Osef. Étape, pneumatique. Facto, backpack, better storage, power switch, mécanisme, mode switch. M. On va mettre sur 7. Faire ça et on va aller changer celui-là que j'avais mis sur ce ref. Voilà. 7. Hover mode. Ah voilà. Cool. Bon, par contre, c'est un peu lent, hein. Ça, il n'y a rien à dire, ça c'est lent. 7. Ok, donc ça c'est pour le couper. Ça c'est pour le mettre comme ça. D'accord. Bon, c'est déjà pas trop dégueu, c'est sympa. En plus, avec des effets particules derrière. Après, il faut être sûr que ça ne te foute pas le feu au cul parce que personnellement, j'aurais pas trop confiance. Après, voilà. Moi, si les particules rebondissent pas. Enfin, soit, ça c'est un truc qui aurait pu être perfectible, mais bon, alors on va pas se plaindre non plus. Alors, on va rester comme ça deux petites secondes. On va regarder si on a encore une autre armure qu'on peut faire avec Mecha. Alors, mécanisme. On a ça, on a le ça c'est normal. Téléportation corps, portable téléporteur. Pour se téléporter, un Robit. J'ai aucune idée de ce que c'est, on dirait une caisse enregistreuse. Est-ce que c'est ça? Un Robit. Robit, qu'est-ce que c'est un Robit? C'est un petit robot. C'est un petit robot. Wow, on va se crafter le Robit. Robit, comment c'est? C'est un style, un electric chest et ça. Ok, Atomic Core, donc Atomic Core et Electric Chest. Voilà, ça, Atomic Core, on va crafter A. Voilà, on va faire ça. Ah, Chest. Voilà, on a notre Robit qui est là, le jetpack qui est bientôt déchargé. Je me demande s'il se comporte autrement quand il va se décharger. C'est marrant parce que quand j'avance comme ça, direct, je marche dans le vide. On va le recharger, je sais pas ce que c'est. Après, on verra bien. Le bruit est peut-être un petit peu chiant, j'espère que ça ne l'est pas trop. Enfin, chez moi, ça va, le volume est pas trop fort au niveau du. Comment dire? Au niveau du jeu, donc, ça devrait aller. Hein. Name, Robit, Inventory, False. On dirait un petit Wally. Un petit Wally. Alors, hop. On est ok. Et là, on va voir l'énergie que c'est en train de produire. Donc, vous voyez, ça en produit petit à petit. J'ai essayé de faire un design aussi sympa. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai fait ça en live sur deux lives parce qu'on ne trouvait pas. On n'avait pas à se mettre d'accord sur enfin, comment on allait faire ça. Et en plus, je vais me bloquer comme un couillon. Allez,
Putain, c'est pas posé le bloc là-dessus. Ça, c'est con. C'est très très con. Voilà. On peut bloquer ça, mais bon, c'est pas vraiment le truc. Ok, super. Crescent Hammer. Hop, on va reprendre ça. Sinon, ça, ce truc va foutre le bordel. Et on va réessayer d'aller par là et remettre le Robit aussi. Je sais pas ce que c'est. On verra bien. Ça a l'air d'être, comme j'ai dit, un petit Wally. Petit Wally. Non? C'est un coffre? Qu'est-ce qu'il sait? Alors, hop, juste ça. Et on va faire l'armored jetpack. Il est où? Il est là et ça, il y a ça. Il y a Free Runner aussi, je sais pas ce que c'est. Des trucs pour courir plus vite. On va le faire aussi. On va le faire aussi. Alors, ça, et ça. Voilà. Maintenant, est-ce que tu veux bien? Oui. Je suppose que quand l'équipe, du coup, je dois avoir de l'armure. Un peu plus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, Robit is a mechanism mechanical companion et qu'on a ce crafting guide. Oh. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment chouette. Apparemment, on peut faire en sorte qu'il se téléporte à nous. Je comprends pas, c'est pourquoi je peux pas le poser, en fait. Non? Mais ça, avec quoi pour lui, on verra. Au prochain épisode, on en a combien? Elle a 22 minutes. Ouah, ça va. Tranquille. Alors, on va faire ça et on va faire les free runners. Free runner, c'est tout? C'est tout ce qu'il faut pour crafter ça? Ok, d'accord. Hein. Circuit. Alors, on va crafter deux hein, parce que. Là, A et 2. A et 2. Voilà, free runner. Quoi ça sert? Je suppose, je dis bien, je suppose que ça va nous permettre de courir plus vite. Ah, ta ta ta. Free runner qui recharge to prevent fall damage. Ok. C'est un truc qui me permet de ne pas prendre des dégâts si je me casse la gueule. Et là, il y a Creeper bleu. Je t'ai vu arriver, toi. Ça veut dire que c'est pas assez éclairé de l'autre côté. C'est où? Ok, c'est tout ici. D'accord. Faudrait que je pense à remettre bah des torches. Faut vraiment que je repense à remettre des torches. Alors, hop, voilà, donc on a ça. Je fais ça, je vais les enlever, je vais les équiper. Déjà, on court pas plus vite. Mais apparemment, on peut monter à bloc. Voilà, ça c'est bien ça. Ça va être utile. Du coup, si je fais ça. Enfin, on peut monter à bloc ou deux? Si je fais ça. Ok, ça me fait passer tout seul. Ça, c'est cool. On dirait des bottes avec. J'ai oublié comment ça s'appelle. Des gros ressorts dessus, là. Ah, j'ai oublié ce nom. J'ai oublié le nom de ce truc. C'est des échasses avec des gros ressorts dessus. On en voit souvent sur les plages ou des trucs bazar comme ça. Enfin, soit, le nom me reviendra de toute façon. Voilà, alors, on est à. On va être à 12 000 plus ou moins, je pense. Quand j'aurai fini tout ça. Ouais, 12 000. De quoi faire avec le jetpack quand même, parce que quand on voit la quantité d'armure que ça me donne d'un coup. C'est assez, je vais pas dire incroyable, mais c'est assez sympa. Donc du coup, 7. Voilà. Hover mode. Et normalement, 7. Voilà, et maintenant si je fais ça et que je m'écrase. Voilà. Et ça bouffe de l'énergie. 25 400 RF. On va voir combien d'énergie ça bouffe. Hein. Oui. Crac. 25. 24 000.
Ouais, ça va, j'ai de quoi me péter la gueule pas mal de fois. Du coup, il va me manquer un truc avec ça. Il faudra un pantalon, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Son mécanisme. Putain de chaise de merde. Masque à gaz. Et scuba. Un arc électrique. Un masque à gaz. Hop, je m'en mets correctement dans ma chaise, sinon vous allez encore penser qu'il y a des bruits bizarres. Charge pas de. Donc c'est ça. Logistical sorteur, ouais. Ballon. Des ballons, ok, d'accord, il y a des ballons. Pourquoi pas. Masque à gaz. Il me faut le masque à gaz. Là, c'est bizarre, ça fait plus de bruit. Ah, là, ça en refait. Alors, le masque à gaz. C'est tout con à craft en plus. Voilà. Masque à gaz. C'est marrant parce que ça, on peut parler comme ça. Alors, je sais pas si vous m'entendez correctement, mais chez moi ça résonne un petit peu et c'est assez bizarre. Voilà, on va éviter de parler comme ça tout le long de l'épisode, hein, sinon ça va pas le faire. La question est, à quoi il sert? D'ailleurs, c'est stylé les petits trucs sur les côtés là. Putain, on le voit pas autour de ma tête. C'est naze. À quoi sert le masque à gaz? Est-ce que. Enfin, je pense qu'il doit bien servir à quelque chose. Mais à quoi? Telle est la question. On ne sait pas le recharger, donc déjà. Hein? Scuba Tank. Oxygène. Flowing. Ok, d'accord. Je vois plus ou moins ce que ça peut faire. Gaz masque. Très bien, juste savoir à quoi ça peut servir le truc là, parce que c'est. Ouais, c'est gaz avec un S. Shorty, sérieusement. Alors, hop. Gaz masque, il y a une ligne qui est mort. Vous êtes. Une conjonction, oui, c'est scuba tank to breathe underwater. Ouais, avec mon super accent anglais. En gros, ça nous sert à respirer sous l'eau. C'est pas con, c'est pas con. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais au moins on l'a. Donc si quelqu'un veut en acheter un, bah. Putain, mais. Sérieux, on l'entend trop loin. Je vais me faire un rain muffler pour le prochain épisode. Voilà, donc ça va là, ça aussi. Donc du coup, bah, on aura fait notre petit craft tranquillou pendant cet épisode, pendant 28 minutes. Hein. Petit craft sympa, au moins ça va aider, ça va me permettre de ne plus être obligé d'utiliser le... Comment dire? Ah. D'utiliser la chauve-souris. J'utiliserai toujours la chauve-souris ou d'autres transfos, je vais peut-être utiliser le cochon. Ah non, le cochon passe pas sur un bloc ici. Je sais pas. J'hésite. Le cochon peut passer sur un bloc. Faire un oslo volant. Finalement, si on voit les effets de particules quand je vole avec ça. Ça va être marrant ça. Les gens vont voir passer comme ça dans les tuyaux. Salut! Bon, c'est un peu moins rapide que la chauve-souris, mais bon. En attendant, au moins avec ça, je peux passer où je veux. Et au moins, je suis plus dépendant de Morph. Donc, c'est déjà ça. Personnellement, c'est le truc que je préfère. Donc, voilà. Maintenant, je sais pas. Non, je peux pas passer entre les deux. Dommage. Par contre, je crois qu'il y en a un qui peut passer entre les deux. C'est le Silverfish, peut-être. Il est encore plus petit. Ah, même le Silverfish il peut pas passer à côté. Bah bon, c'est pas grave. Donc voilà, non. Sérieusement.
Bah, du coup, faut oublier obligatoirement que j'essaye ça. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah, t'es là. Oui. Ok, tentacule qui pète du feu. C'est assez, ma foi, buggé, mais bon. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas encore tué de Patrick. Faudrait que je pense à le faire bientôt. Ah si, il y a BX que j'ai tué. Au tout début, effectivement. Donc oui, donc voilà, donc maintenant on n'est plus dépendant du vol de la chauve-souris. Donc du coup, bah, je vais rebinder ça sur la touche F aussi, accessoirement, ça sera plus facile pour moi de m'en souvenir que la touche 7. Voilà. Maintenant, mon hydrogène, je pourrais la stocker un petit peu pour faire des réserves pour le tank. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé cet épisode un petit peu. Enfin, comment dire? Je ne fais pas pareil que d'habitude, c'est-à-dire pas des machines. Enfin, si, j'ai crafté une machine. On va dire que le jetpack est une machine elle aussi. Mais bon, c'est une machine qui est assez sympa. J'aime bien le style que ça a en plus. C'est pas trop dégueu comme design, en plus ça fait des flammes. Donc, que demander de plus? Que demander de plus? Peut-être crafter le jetpack de... Jetpack. Peut-être crafter ces jetpacks-là plus tard. Electric jetpack, même si au final, bah voilà, quand il faut une bad box de l'iron. Enfin, au final c'est pareil, sauf que ça utilise des U au lieu d'utiliser l'hydrogène. C'est que les U, j'en ai pas encore pour le moment. Enfin, si, mais il me faudra à peu près 42 minutes pour recharger mon jetpack. Alors que là, il m'en faut déjà pas mal de temps, l'air de rien, pour recharger ça. Du coup, bah, on va se quitter là-dessus. Pour le prochain épisode, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. Pour le prochain épisode, je pense que ici en dessous, le stockage d'énergie sera fait et les solar panels aussi. Et pour le prochain épisode, je pense qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les robits, etc. Enfin, explorer un petit peu le mode mécanisme, on va dire en profondeur, vite fait, hein, sans mauvais jeu de mots. Comme ça, on pourra voir ce qui peut nous apporter de sympa, même si il faut avouer que là, on a déjà fait bien le tour de mécanisme. On a vu les éoliennes, les solar panels. Salination valve. Ok. Bin, une poubelle. Ok. Donc ouais, on verra pour le prochain épisode ce qu'on fera. On va peut-être essayer de transformer de l'hydrogène, donc du gaz, en de liquide pour le stocker dans les trucs. Enfin dans les réserves qui seront là plus loin. Parce qu'il faudra stocker le plasma, il faudra donc stocker le deutérium, le tritium, enfin tous ces bazars-là. Donc, ouais, on verra, on verra, on verra. Je ne ferai pas l'Atomic Disassembler parce que j'en vois pas l'utilité, sachant que ma Paxel va aussi vite. Le portable téléporteur, peut-être. Je sais pas, je vais essayer de me renseigner pour voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il a été désactivé aussi parce que je vois que quand je clique dessus, ça ne veut pas aller. Talkie-walkie a été désactivé. Enfin, je sais pas, on va voir. On verra, on verra. Donc voilà, donc sur ce, bah merci d'avoir regardé cet épisode. Petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Regardez les autres commentaires sur les autres vidéos avant de poser des questions aussi ou des trucs du genre, comme j'ai dit tout à l'heure, avec où tout le monde me demandait pourquoi Shorty, tu fais pas une boucle avec ça et ça. C'est comme j'ai dit, je préfère avoir plein de machines et plein de trucs comme ça que d'avoir une toute petite installation où au final bah, ça ne fait qu'une boucle. Et je pense que c'est tout. Un petit like, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, blablabla, le blabla habituel. Enfin, ça, vous êtes habitué. Et comme d'habitude, on se quitte sur la petite phrase qui va bien. Allez, voilà. Et sur ce, n'oubliez pas. L'apocalypse, c'est bien, mais pas trop. Allez, dans quelques jours tout le monde.